Bonjour, je me prénomme Nancy, étudiante à l'ENES en études françaises. Je viens ici apporter mon innovation pédagogique intitulée Le siècle de lecture en ligne par rapport au thème COVID-19 et après. Par définition, le siècle de lecture est un regroupement de lecteurs lisant un même livre. Il permet en effet aux lecteurs de discuter de textes variés et d'échanger par la suite en petits groupes éventuellement. Cette stratégie aidera les élèves à réagir, surtout pour ceux qui participent très peu en classe et qui ont peur ou honte de s'exprimer en public. Par cette occasion, ils pourront donner leur point de vue par rapport à l'œuvre étudiée, vaincre leur timidité et leur peur. Cette activité permettra également aux apprenants de mettre leurs idées en commun afin de construire le sens du texte. Comment effectuer cette tâche? Pour la faire, l'enseignant devrait choisir une œuvre, la subdiviser en parties en fonction du nombre de groupes répartis en classe, fixer une heure pour le travail en ligne. Il peut être utile d'établir un ordre du jour selon les points à discuter, c'est-à-dire thème, personnage, analyse, débat sur une question, etc. Pourquoi en ligne? En ligne, tout simplement parce que pour étudier une œuvre intégrale en classe, compte tenu des heures de cours, est une tâche très difficile à accomplir. En ligne, par contre, l'enseignant et ses apprenants auront la possibilité de continuer leurs activités, progresser dans leurs cours malgré la distance. L'enseignant pourra aussi évaluer ses élèves séance tenante. Cela lui fera un travail en moins. Merci.